ça me fait une grosse tête avec le masque. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit vlog de mon week-end. Donc aujourd'hui le programme c'est ce matin on va aller à la plage. Parce qu'en fait hier il y a eu un mini ouragan sur la plage et du coup notre cabane de plage a volé sur 10 mètres. Donc on va un peu voir ça et la retourner pour pouvoir la démonter. Après, si on a le temps, j'irai peut-être chercher mes nouvelles lunettes de soleil. Et le programme, ce midi, cet après-midi, c'est d'aller à Ikea. Et voilà notre cabane de plage. Super. Du coup, il faut qu'on la retourne, qu'on la vide et qu'on la démonte. Parce que là, je crois qu'elle n'est pas dans le bon sens. Bon, du coup, pendant que les garçons vont s'occuper de la cabane, nous, on ramasse un peu les déchets qui restent. Un de nos mugs. Bah goodbye hein. Bon ça y est, du coup on a terminé avec la cabane ce matin. Là on est repassé à l'appartement pour aller se changer et maintenant on part à Ikea parce que j'ai faim et on va manger des boulettes. J'adore cette cuisine. Cuisine en bois, j'aime beaucoup. Ça me fait une grosse tête avec le masque. On est sorti d'IKEA et on attend sur le drive parce qu'on a commandé ce qu'on devait absolument pas acheter à la base, une bibliothèque. Déjà on sait même pas si ça va rentrer dans la voiture et là du coup on l'attend sur le drive. Bon du coup là on vient juste de rentrer, comme d'habitude il s'est mis à pleuvoir au moment où il a fallu qu'on décharge la voiture. J'adore. Donc au final je vais pas aller chercher mes lunettes aujourd'hui, je pense que j'irai dans la semaine parce que je pense que même le samedi il va y avoir du monde. Donc j'irai après le boulot dans la semaine et de toute façon on va s'occuper du montage de la bibliothèque et des cadres je pense demain. Alors j'ai déjà sorti, on a pris ce petit panier là qu'on a vu en présentation dans une des cuisines, enfin il y en avait même un petit peu plus haut et en fait on voulait vraiment un espace où on mettait les ustensiles, sel, poivre, enfin voilà quelque chose de tout simple dans la cuisine et vous pouvez aussi segmenter comme ça, donc nous on a décidé de laisser comme ça mais vous pouvez faire ça aussi. Bon après vous les avez vus, bon, là il fait super sombre dans l'appart mais on a pris du coup la bibliothèque qui est en deux cartons et les trois cadres qu'on installera demain matin. On a aussi pris deux parures, donc il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci était à 35 €, on a trouvé le motif trop trop beau. Il l'avait aussi en noir et blanc mais j'aimais bien bleu, je trouve que ça change. Et celui-ci qui était à 19,90 € je crois, donc en 240-200. Et après c'est de la petite déco pour la bibliothèque, on a pris une fausse plante comme ça qui tombe, celle-ci avec deux petits cache-pots qui n'étaient pas très chers. Et après on a pris des boîtes de rangement pour pouvoir mettre dans la bibliothèque. Mais ça vous verrez tout ça demain. On est dimanche, on vient de finir de manger et on va s'attaquer au montage de la bibliothèque, j'attends que ça depuis ce matin. Et du coup ce matin j'ai fait un peu de rangement dans la chambre tout ça donc ça m'a pas mal occupée. Mais là on va vraiment se poser à faire le montage de la bibliothèque et après voir pour mettre les cadres ici.
On cherche où on la met. Et voilà. Donc là on a mis une fausse plante et une autre petite là qui tombe. C'est trop mignon je trouve. J'aime bien quand il y a de la verdure, même si c'est de la fausse. Grand cadre de 61 par 91 qu'on va mettre ici sur ce grand mur là, et dans les cadres on va mettre des sacs de café puisque Nico avait récupéré à côté de son boulot des sacs de café, donc on va en choisir 3 et on va les mettre juste là. Voilà ce que ça donne après une heure n'empêche de travail pour les trois, le temps de les découdre, de les repasser, de les découper, de les mettre, et voilà. On va pas les accrocher aujourd'hui parce que déjà on en a marre entre la bibliothèque et ça, et en plus on est dimanche donc on n'a pas trop envie de faire de bruit avec le marteau. Donc Nico va accrocher ça dans la semaine et de toute façon je vous montrerai ça sur Insta. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog week-end vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a pas mal de petits contenus qui arrivent bientôt, de la déco, de la mode, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !